Cette tendance au relâchement dans le respect des mesures de protection contre la maladie appelle à un constat, celui du regain des cas de contamination. Et le risque, à écouter certaines personnes, c'est de nier la persistance de la maladie au Burkina Faso. Une de nos équipes a fait un tour au grand marché de Ouagadougou, mais aussi dans quelques rues de la capitale burkinabé. Compte rendu avec Fabrice Nébié et Oumou Cissé. Ils sont nombreux les Burkinabés qui pensent comme Dame Fatimata Traoré. Pour eux, la maladie à coronavirus est une affaire ancienne ou une menace révolue. Les gestes barrières sont foulés aux pieds. Nous sommes ici au grand marché de Ouagadougou. Moi, je portais les cache-nez. Depuis le début, je portais cache-nez. Mais après, j'ai trouvé que non, ça ne sert même pas. À moins si je vais dans un bureau, un coin public, que je porte. Mais si je ne porte pas, ils ne vont pas me laisser rentrer. Dans les rues de la capitale, même constat. Les masques se font de plus en plus rares. Les porteurs de masques se comptent sur le bout des doigts. Et pour ceux qui n'en portent pas, les raisons sont presque les mêmes. L'oubli. Il en est, on était assis au bureau et puis on s'est levé. C'est juste un oubli. Tu n'en prends des précautions à tout quoi. Même dans les lieux publics. Ah, on vient de quitter une banque. On va aller une banque, mais et dû de faire de l'alignement, on a refusé de s'aligner. On met la maladie. Donc on prend des précautions. Seulement quand on est sorti, on a enlevé. Non, on prend les maladies au sérieux. On prend les maladies au sérieux. C'est pareil. Bon, j'ai oublié ça seulement. Sinon, le poussière là-même, c'est pas facile. Même si c'est pas les maladies, le poussière là-même, là, c'est pas facile. Même si ces usagers de la route sont conscients de la recrudescence de la maladie à coronavirus, le port du masque n'est plus une priorité, la distanciation physique non plus. Dans certaines administrations publiques, les dispositifs de lave-main disposés il y a quelques mois sont rangés dans un coin de la cour ou tout simplement abandonnés. Pourtant, le virus est toujours là et regagne du terrain, en témoigne le nombre croissant de malades.